Nullus alius, nisi solus episcopus, confirmationis ordinarius ministeres. Son mon levec ille le ministre ordinaire de la confirmation. Nullus confirmatus debet reconfirmare. Si vous êtes sûr de votre confirmation, vous devez pas de reçoivre une autre fois. Nullus est communicatus, interdictus, belgravioribus facinioribus alligatus, aut Christiane fidei rudimentis non edoctus, ingeret se ad percipiendum hoc sacramentum bel attenendum confirmandum. Si quelqu'un ille excommunie o interdit, il peut pas être parent o maran. Adulti deberet prius peccata confiteri. Si vous êtes adult, il faut d'abord recevoir le sacrament de la pénitence avant d'être confirmé. Hoc sacramento contraitur spiritualis cognatio. Il y a le sacramento de la confirmación il don an spiritualis parentesco. Nullus presenter nisi unum au duos non pluris nisi aliter necessitas suadia ad vitior episcopi.
Seulement les parents, il faut présenter en personne pour être confirmé. Confirmato debe ligare fonds exigi manere quousque crisma dicesetur velextinguetur. Après de recibir la confirmación, il doit mettre quelque chose dans la tête pour aider sécher les sanctus olius. Nullus confirmatus dicedat nisi benedictione accepta, quam pontifex post omnium confirmatione dabit. Aucune personne peut sortir de la chapelle avant de recevoir la dernière bénédiction. Quatre confirmants à genoux ici devant les amis. S'il vous plaît. Spiritus Sanctus superveniat in vos, et virtus altissimi custodiat vos a peccatis. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui regenerare dignatus est os famulos tuos ex aqua, ex Spiritu Sancto, quique dedisti eis remissionem omnium peccatorum, emite in eos septiformem Spiritum tum Sanctum Paraclitum de Celis. Amen. Amen. Spiritum sapientia et intellectus. Amen. Spiritum consilii et fortitudinis. Amen. Amen. Spiritum scientiae et pietatis. Amen. Amen. Ad imple eos spiritu timoris tuis, et consigna eos, signo crucis Christi, in vitam propitiatius aeternam. Per eundem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate ius in spiritu sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Alors, les parrains se mettent à derrière le confirmant. Oui. Il faut remettre les pieds. Sauf. Vous expliquez. Oui, ça va. Ça va. Les pieds. Vous voulez aussi, oui. Tenez par an. Mettre la main droite. Oui. Sur la main droite, sur l'épaule de la main. Et aussi les pieds. Les pieds. Les pieds, ici. Ici. En dessous, le pied gauche. Au-dessous de oui. Oui, ça va comme ça. Ou l'autre, ça va. Ok, ça va. Pied gauche. Pied gauche. On commence par ici. Stéphanos. Stéphanos. Si non es confirmatus, Signo te, Signo Crucis, et confirmo te Crisma te salutis, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum, et cum Spiritus tuo. Vahi. Signo te, Signo Crucis, et confirmo te Crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum, et cum Spiritu tuo. Rita, si non es confirmatus, signo te, signo crucis, et confirmo te crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum, et cum Spiritu tuo. Trencia, signo te, signo crucis, et confirmo te crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum, et cum Spiritu tuo.
Confirma, hoc Deus, quod operatus es in nobis, a templo santo tuo quod es in Jerusalem. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Confirma, o Deus, quod operatus es in nobis, a templo santo tuo quod es in Jerusalem. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, qui apostolis tuis sanctum dediste spiritum, et vereus eorumque successores ceteris fidelibus, tradendum esse voluisti, respice propitius ad humilitatem nostre famulatum et presta, ut eorum corda quorum frontes sacro crisma te delenibimus, et signo sante cruce signabimus, idem Spiritus Sanctus in eis superveniens, templum glorie sue, dignanter in habitando perficia, qui cum Patre te odem Spiritus Sancto vivis et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Ecce sic benedicetur omnis homo qui timet Dominum. Benedicat vos Dominus etium, ut videatis bona Jerusalem omnibus diebus vitae vestre, et aviatis vitam aeternam. Amen. Après de recevoir le sacrement de la confirmation, il faut publiquement faire confession de notre foi. Donc, comme ça, on doit dire ensemble le credo. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Jesum Christum, Filium Eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertiae die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad esteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Santorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Pater Noster, qui es in Celis, Sanctificetur Nomen Tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Si on suit le cérémonie, il est vraiment bon savoir que le sacrament de la confirmation se fait pour la l'onction, n'est-ce pas? Ça signifie la préparation pour combattre. C'est pour ça que on reçoit
donde ici la la croix avec de d'huile, d'huile sacrée. Et aussi on reçoit un petit comme ça, n'est-ce pas? Et ça signifie que nous devons être prêts pour combattre, pour faire la confession publique de notre foi. Avec la confirmation, on devient vraiment chrétien, catholique. Et la confirmation nous donne tout le Saint-Esprit avec les dons de sa grâce, sagesse, sapiencia, concilium, le conseil, et tous les sept dons du Saint-Esprit. Donc, avec ça, on reçoit grâce beaucoup grande devant Dieu. Même pour la glorification après de cette vie, pour la vie éternelle, c'est très important d'avoir les sacrements de la confirmation. Autrement, on ne peut pas juger de beaucoup de choses, même de l'actualité. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Parce que on n'a pas reçu vraiment les dons de sapientia, intellectus. Il n'y a pas, parce qu'ils ne sont pas reçus vraiment les saints sacrements. Donc, avec ça, vous savez, votre parent, votre marin, l'idée, c'était avoir un exemple à suivre. C'est pour ça que l'Église, il demande avoir quelqu'un de vous. Et donc, s'il vous plaît, je ferai les prières pour vous. Et maintenant, je vous demande vous pour moi, s'il vous plaît. Ça va. Donc, on prend les photos. Il y a quelqu'un. On se met ici, on, comme ça, il y a testimonia. Ici. Thank you.